C'est pas Olivier, vous savez que c'est un combattant, c'est le pilote, rien ne lui fait peur, il a vraiment le tempérament pour se jouer ce championnat d'Europe, parce que c'est le pilote qui croit toujours, toujours, toujours en ses chances. Et l'année dernière, il a vraiment été très heureux. Et Dédé, son papa qui, bien sûr, va l'accueillir. Voilà, le fiston aussi. En plus, c'est irrésistible, voilà. Quand il a pris la tête. Regardez, Olivier, et vous allez voir les mots d'Olivier aussi, parce que c'est un personnage, lui. Je peux vous dire qu'ici, les monsieur, attendez-vous, on a le président qui pleure, on a Olivier, on a le papa. Tant pour l'instant, il pleure tous, le vent. Ah, ils t'ont pas parlé, ils pleurent tous. Et voilà, et Dédé qui vient de dire, j'avais un voyage, un rendez-vous prévu aux États-Unis ce week-end, je suis pas venu, mais je regrette pas, j'ai bien fait d'être là. Allez, dans un instant, on va laisser Olivier un petit peu récupérer, et puis voilà, on va le recevoir, et quel plaisir. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous celui qui vient de remporter la manche française du championnat d'Europe de la ligne droite, monsieur Olivier Dufour. Allez, on va le faire. Même sur la première match, on va faire la dernière aussi. Alors Olivier, quel week-end. Et puis on sait bien évidemment qu'il y avait une revanche à prendre sur l'année passée. Ah, il y avait une revanche à prendre, moi, elle était triste. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On ne sait pas, et puis il y a un beau projet pour la prochaine avec une nouvelle machine, hein, ce châssis Anac, et puis on espère bien sûr te retrouver bien sûr sur le championnat d'Europe l'an prochain. Voilà vos applaudissements pour Olivier Dufour, je peux vous dire qu'il ne peut pas revenir, il ne peut pas revenir pour tout de suite. La deuxième place pour Diane Lagoni, viens avec moi Diane, on va dire quelques mots. Le pilote du châssis Peters, le pilote luxembourgeois, deuxième place ici à Saint-Denis, c'est satisfaisant. Oui, c'est bien pour moi et je suis content que je vais faire une deuxième et lui il a gagné. Et j'ai dit merci à Peters que je donnais une bonne voiture pour ici. Et je dis merci pour toute l'équipe qui va avec. Voilà, merci Paul, je te laisse monter sur la deuxième marche du podium. La troisième place pour le double champion d'Europe en ligne, Ladislav Van Guteren en Jordi.